L'événement avant notre implication s'appelait le Bell Celebrity Gala. C'est un événement qui roulait depuis 19 ans déjà à Toronto, toujours sous une formule d'un gala de charité. L'appel d'offres a eu lieu à la fin de l'année 2010. Puis ils nous ont demandé de revoir complètement l'événement. De l'invitation jusqu'aux projections vidéo et aux costumes, il y a une unité créative. Donc je pense que c'est ça qui fait le succès premier de l'événement. Et je pense que le spectacle et la qualité des artistes qu'on avait aussi est indéniable. On a tout le temps différents niveaux d'expérience, des interactions personnelles, des interactions en petits groupes, puis des performances évidemment pour 2000 personnes. On ne veut pas que tout le monde ait la même expérience en sortant de cet événement-là.